Débuté il y a quelques jours du côté de Port-Gentil, la capitale économique, les travaux de la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures se poursuivent ce lundi 26 août 2024 à Libreville, la capitale gabonaise. Au cours de cette rencontre, ce lundi matin, deux sujets essentiels faisant partie des deux points transversaux ont été au centre des débats. Les 10 sujets faisant référence aux multiples difficultés auxquelles sont confrontés les employés dans le secteur du pétrole au Gabon. Le secteur pétrolier est un secteur stratégique de l'économie gabonaise et il est inacceptable que l'une ou l'autre des parties fasse preuve de blocage ou de légèreté pour amener une grève du secteur. Pour l'ONEMP, il y a un point qui fait encore obstacle, c'est le point sur le taux de rachat des jeux de récupération. Si plusieurs points semblent divergents entre les parties prenantes, ces dernières ont promis de trouver un terrain d'entente pour maintenir un climat social apaisé dans le secteur. C'est d'ailleurs ce qui a été recommandé par les autorités de transition. De ce fait, la signature des procès-verbaux après des réflexions et accords reste une étape non négligeable. Fondamentalement, on n'a pas de grandes divergences en tant que telles. C'est un problème de formulation et de précision. Nous avons travaillé ce matin sur un premier point. Par exemple, le rachat des jours de récupération. Il vaut mieux prendre le temps de faire un procès-verbal qui permette au secteur de mieux fonctionner à l'avenir plutôt que d'avoir un procès-verbal qu'on va signer rapidement. Plusieurs problèmes minent le secteur pétrolier gabonais, même si ces derniers étaient gardés sous silence avant l'arrivée au pouvoir des autorités de la transition. Afin d'améliorer le cadre de travail et résoudre de façon efficiente les 10 problèmes, le président Presclo Teroli Gingema avait ordonné la mise en place d'une commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures.